Depuis plusieurs mois, l'héritage de Johnny Hallyday est sur toutes les lèvres. Tandis que Laetitia Hallyday mène toujours bataille contre les enfants aînés de son mari, elle fait l'objet de nombreuses critiques. Et si Laura Smet est plus décidée que jamais à se battre pour ses futurs enfants, David Hallyday lui préfère éviter le sujet en interview et souhaite se détacher de cette histoire. Mais celle qui est également régulièrement interrogée sur la question à travers des entretiens, si est-ce Sylvie Vartan. Tandis qu'elle peine à faire le deuil de son ex-mari, la chanteuse n'a pas manqué d'envoyer une pique bien sentie à Laetitia Hallyday, qui s'est plainte selon Patrick Simonin d'avoir subi beaucoup de choses depuis la mort du rocker. Chacun sa façon de réagir, on ne peut pas dire que ce soit très discret, lâche Sylvie Vartan dans une interview accordée à TV5 Monde mercredi 18 septembre, avant de donner son opinion sur l'héritage de Johnny Hallyday et le retentissement médiatique. Je pense que les gens commencent à se fatiguer du déballage. On ne peut pas résumer sa vie avec un héritage sans s'épancher davantage sur Laetitia Hallyday qui est actuellement à Paris. Sylvie Vartan estime par ailleurs que depuis sa mort, et notamment ces derniers mois, Johnny Hallyday a été beaucoup sali. On ne peut pas résumer sa carrière et sa vie avec un héritage et des commentaires quotidiens, précise-t-elle, tandis qu'avec son spectacle elle souhaite lui rendre un dernier hommage où le rocker est remis à la place où il était, à travers des images issues des collections personnelles de Sylvie Vartan. Mais concernant toute cette histoire, la chanteuse estime désormais que si est-il une question de temps, ça va s'arrêter.